C'est parti pour les moissons 2023. Récolte de l'orge. Alors, versé quand même, pas mal. Voilà. Donc, on a les hérons garde-bœufs qui nous font un petit coucou. Donc là, on a une belle structure de sol en dessous. Hein. Celui-là, le sol, il n'a pas été travaillé depuis 5, 6 ou 7 ans. Vous voyez, on a encore de la fraîcheur, c'est-à-dire que... Alors, il y a les petites bébêtes. Hein. Mais si on sème des graines, là, très rapidement, dans un sol comme ça, ça va pousser. Ça va pousser. Alors là, ceci dit, je ne vais pas presser la paille tout de suite. Parce que malheureusement, vous voyez, il y a des endroits où c'est versé. Et quand c'est versé, eh bien la paille ici... Alors aujourd'hui, il fait vraiment très très chaud et très très sec. Donc c'est limite pressable, on va dire. Parce qu'en dessous, c'est à peu près sec. Par contre, ils annoncent des orages. Alors on ne sait pas s'il va pleuvoir ou pas. Mais ils annoncent surtout nuageux la semaine prochaine. Et j'ai regardé, moi, cette semaine, on a eu une journée nuageuse. Le soir, c'était pas pressable. C'est-à-dire que... Les nuages empêchent que la fraîcheur, parce que là il y a de la fraîcheur dans le sol et elle remonte en fait la nuit. Et si le jour ben, il y a des nuages, la fraîcheur ne peut pas s'en aller, donc on ne peut pas presser la paille. Donc là je prends le risque ben, de moissonner et puis de ne pas presser tout de suite, on verra s'il pleut ou pas. Et puis on sèmera, mais peut-être plus que 3 jours. Parce que là, la fraîcheur va s'en aller maintenant. Maintenant, on a coupé le couvert végétal, c'est-à-dire que là, il va y avoir de l'évaporation directe. Mais la structure du sol, vous voyez, on a vraiment une structure grumeleuse. Ce qui fait que là, si c'est vraiment il pleut, il y a plein de petits trous. Si il pleut un orage, mais ça ruisselle pas, ça s'infiltre. Tout simplement. Donc voilà. Bon, vous voyez, les petites fourmis, les petites bébêtes qui se baladent. Je ne sais pas si vous les voyez à l'écran. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut, salut !